Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera quand même sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique est un voleur d'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, à but pratique, je vais utiliser le masculin, mais ça peut aussi être une femme qui est perverse narcissique. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, que vous avez mangé beaucoup d'œufs, beaucoup de chocolat. Et voilà, le chocolat, c'est le meilleur antidépression. À savoir, j'ai mon frein qui va pas bien. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Alors, le pervers narcissique, il est un voleur d'énergie. Dans quel sens? Dans le sens où la victime, la proie, homme ou femme, la victime proie, vous avez un très grand, un trop plein d'énergie peut-être même, ou un très très grand plein d'énergie dans votre corps. Et lui, bah, il va tout vous prendre, votre énergie, parce que lui, à l'intérieur de son corps, il est vide. C'est comme une coquille vide. Il n'a pas de substance, il n'a pas d'amour, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de d'ambition. Ses seules ambitions, c'est faire comme les autres, faire semblant, c'est... Voilà, donc, le pervers narcissique, c'est... On pourrait prendre cet exemple-là, c'est une coquille vide. Par exemple, l'être humain basique, c'est bah, c'est pas une coquille vide, il a le cœur, il a tout. Pardon, excusez-moi. Et aussi, les personnes humaines, qui sont non perverses narcissiques, parce que pour moi, un pervers narcissique n'est pas humain dans le sens humain. Vous avez une âme. La victime, la proie, vous avez une âme. Et une belle âme. Une belle âme, c'est quoi? C'est des gens qui rayonnent. Le pervers narcissique ne rayonne pas. Le pervers narcissique ne peut pas aimer. Le pervers narcissique peut que vous pomper votre énergie. Et le problème, quand il vous pompe votre énergie, c'est vous qui êtes mal. C'est vous qui êtes mal, c'est vous qui êtes en burn-out ou en dépression. Donc, comment faire pour éviter de se faire pomper l'énergie par ces sales bêtes, voilà, sales bêtes de pervers narcissique, on ne peut pas dire autrement. Eh bien, tout simplement, quand vous êtes en contact avec un pervers narcissique, malheureusement, vous avez été pris dans l'emprise. La seule solution, je le dis et je le redirai jamais assez, bah, c'est de quitter le ou la perverse narcissique. Si vous ne quittez pas le ou la perverse narcissique, vous aurez de très gros problèmes. Votre vie, elle est comme si votre vie était perdue, elle n'a plus de sens. Et aussi, ce que vous pouvez faire une liste de ce que vous avez vécu avant de connaître les pervers narcissiques avec d'autres personnes où ça se passait bien. Et là, vous allez tout de suite vous rendre compte que effectivement, il faut quitter cette personne. Voilà. Donc, le pervers narcissique, lui, il saura que vous mettre plus bas que terre. C'est-à-dire, lui, son sport favori, c'est être le meilleur comédien, c'est briller en société, être le meilleur au monde. Voilà, être tout ce qu'il n'est pas et surtout projeter ses propres erreurs à lui sur vous et vous faire culpabiliser. Et le méchant dans l'histoire, c'est pas lui, ça sera vous. Donc voilà, donc vraiment quitter le ou la perverse narcissique, c'est très important. C'est très important aussi parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une histoire. Avec une actrice de cinéma qui est décédée, et un chanteur, je ne citerai pas de nom, voilà. Et il s'avérait que ce chanteur qui a tué cette personne, on peut dire que c'est un crime, hein, ben c'est un pervers narcissique, voilà. Je ne citerai pas de nom, mais voilà quoi. Donc c'est. Ils peuvent basculer dans la folie. Mais ils sont à la limite, juste au borderline, de ne pas basculer. Normalement, ils ne basculent pas, mais
Mais, il y a toujours un mais. Donc, c'est pour ça, fuyez, partez, prenez les jambes à votre cou, partez, fuyez du pervers narcissique. C'est un voleur d'énergie. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je vous remercie tous et toutes. Vous êtes tous dans mon cœur. Vous êtes tous mes abonnés favoris. Et voilà, je reçois toujours des messages super cool de votre part. Et c'est grâce à vous que je continue. Merci à tous. Une excellente journée. On se retrouve demain. Bye bye pour les citations. Bye bye à tous. Je vous aime tous et toutes. Bye bye.